C'est bon. Je me porte bien. J'aime pas les animaux, mais j'ai l'impression d'avoir une chatte dans ma gorge. Bref, on se retrouve aujourd'hui. Pourquoi qu'on se retrouve aujourd'hui? Déjà pour entendre mon lave-vaisselle, parce que ça fait plaisir. Parce que j'ai mis un fond, vous connaissez mon fond vert. Cuisine, voilà. C'est Xinera, Xinera 1984. Hein. On est dans le ton, on est dans le temps, et on est surtout dans le ton, hein, vu ce que je me soulève en ce moment. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler cigarette électronique, les gars. On est là pour parler d'une petite Vaporesso, encore. Donc voilà, on va décrypter un peu cette petite machine, on va voir comment elle se... comment elle se met en bouche. N'est-il pas? Donc voilà, j'ai pris celle-là parce que je l'ai trouvée intéressante de par le format, de par ce qu'elle avait à proposer. Et puis voilà, donc on va se retrouver en plan serré. Toujours. Non, c'est toujours pas ta sœur. Hein, ça c'était. Donc voilà, hein, oui, là je la ferai tout le temps la blague. Parce que déjà je me fais rire, et puis en plus parce que c'est quand même mon YouTube. C'est l'avantage d'avoir des vidéos à moi. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en plan serré pour parler un peu plus profondément de la machine. Hein, on va pas rentrer dans les détails extrêmes. Quoique si, un petit peu, et j'ai même pris la notice. Comme ça on pourra vraiment même parler des différents modes à l'intérieur de cette machine. Hein. Donc on se retrouve tout de suite, plan serré, c'est parti. Et Zébardi! La voilà, la beauté. Donc c'est la Vaporesso, c'est la toute nouvelle Gen SE. C'est-à-dire, c'est le petit format. Il y a la Gen Max que je vous présenterai par la suite. Mais là, attends, c'est la Gen SE, donc qui est fournie, elle, avec juste un seul accu. Un accu en 18650 qui se trouve là, que je n'arrive pas à ouvrir, c'est très bien. Voilà, hein, tu peux pas en mettre un de 21700. C'est la seule taille que tu pourras mettre. D'accord, donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein, Vaporesso, on a l'habitude, hein, c'est toujours à peu près la même chose, les gars. Tac, là, t'as la notice qui est là-dedans. Ouais, bah, quand t'as des gros doigts, frérot, c'est ça. Hein. Et voilà, donc là, Pyrex, des joints SPI pour spier. Résistance supplémentaire, t'en as déjà une qui est montée dedans, c'est la 04. Moi, je pense que j'ai mis la 02, puisque la 04 doit être là. Et un câble USB. USB vers USB type C, parce qu'elle peut se recharger en USB type C. D'accord, donc voilà, au niveau des caractéristiques, voilà, vous les avez là, t'as la taille, t'as tout, donc t'as vu, ça fait 14 de haut pour 35 de large, pour 26 de profondeur, on dirait la taille d'un pénis, hein. Bon, un pénis un peu mal foutu, mais un pénis quand même. Donc voilà, regardez, alors je vous montre par rapport à maman, vous voyez, la box en elle-même est vraiment sympa, en termes de taille, on pourrait s'apparenter à un pod, bon là il y a le cléromézère en plus, mais ça pourrait s'apparenter à un pod. Donc très simple, on l'a allumé, mais 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'aime bien quand ça marche pas, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, là tu l'éteins. 1, 2, 3, 4, 5, là tu la rallumes, d'accord. Donc quand tu fais 1, 2, 3, quand tu fais 1, 2, 3, tu vas dans les modes. Quand ça veut pas marcher, ça veut pas marcher. 1, 2, 3. Voilà, tu vas dans les modes et dans les modes. Donc t'as le mode setting, t'as le mode exit, ça c'est pour ta coquine. T'as le mode, ça c'est le mode wattage normalement. T'as le mode écho, qui est aussi un mode wattage bizarrement, qui t'envoie la, je sais pas, j'ai pas compris, on lira la truc après. T'as le mode pulse, qui t'envoie la même chose. Et t'as le mode, ça c'est le contrôle de température. Donc ça c'est plus intéressant pour les coils, avec des résistances qui sont aptes au contrôle de température. Et là t'as les thèmes. Donc les thèmes, voilà, tu peux mettre football, UFO. Bon, c'est sympa. Voilà, ça va pas péter bien loin. Moi, j'aime pas le foot, donc tu penses bien que je vais enlever ce mode de merde. Setting, voilà, smart. Donc ça, c'est pour laisser allumer. Compteur de puff, brain, parce que t'es un mec qui brain, you know. Tu vois, et là, défaut, parce que ça doit être une Renault. Hein. Qu'est-ce qu'on est drôle. Donc là, hop, tu vois, et on retourne dedans. Tac, 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 tac. Hop. Et là, je dois juste changer ce putain de thème, voilà. Donc t'as vu, c'est très simple. Ça répond bien, voilà, on va mettre ça, c'est très très bien, voilà. Donc ça répond bien. Là, tu peux le verrouiller, regarde. Hop, une fois qu'il est verrouillé, par contre, tout est verrouillé. C'est-à-dire que là, tu peux plus... Là, il n'y a plus rien à faire, donc tout est verrouillé. C'est pas mal, d'accord. Voilà, l'USB type C, là, pour le rechargement, même si je conseille de toute façon une recharge externe, hein, je vous conseille vraiment d'acheter un chargeur de batterie externe. Voilà, et là, t'as le switch. Donc le fire, il est là. C'est réactif. Voilà, ça marche, hein, les gars. Il n'y a pas 40 trucs à faire, hein, tu vois. Je vous parlerai des modes juste après. On va s'intéresser un peu au drip tip, au truc. Donc, c'est du 810, d'accord. Pour l'ouvrir,
Alors tu vois, c'est tout simple. Il y a une flèche là. Tu pousses. Voilà. J'étais un teubé, j'ai mis le liquide dans le trou au début. Alors que ça se met juste là. D'accord. Donc vous avez vu, c'est très bien parce que ça se verrouille et tout. Donc c'est pas mal. Il a une bonne résistance. Avant qu'il s'ouvre dans ta poche, t'as quand même de la marge. À moins que tu fasses du catch dans la rue, c'est pas mal. La contenance, normalement, elle est de 6 ml avec le bubble. Et elle est de 3 ml avec le Pyrex standard qui est fourni, ouais. Qui est fourni dedans, là. Donc, alors là, je sais pas pourquoi vous avez vu, ils ont mis, ouais, extra 6 ml, glace tube. Alors peut-être que je suis con, peut-être que c'est 3 ml là-dedans et 6 ml là-dedans, mais pour moi ça je sais pas, c'est bizarre. Pour moi c'est bizarre. Alors le bah franchement le tank, c'est le e-tank, sauf que là c'est la version e-tank T, si je me trompe pas, tu vois. Voilà, e-tank T, ouais, comme quoi j'ai bien appris. Donc ce qui change, bah c'est vraiment l'ouverture, hein. De l'ouverture. Et si je suis un ouf, parce qu'en fait il y a aussi quand même ce côté, tu vois, pour régler, regarde, t'as des crans, tu vois, pour régler les airflow. Donc c'est pas mal. Après je vais pas vous mentir, c'est des résistances, ouais, j'ai été un peu dégueulasse tout à l'heure, ouais, j'ai bavé frérot, c'est vrai qu'en fait ce qui change comparé à celui qui était sur la je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, putain, ma grosse énorme là, ma armure, c'est vrai que le drip tip change. Pas le drip tip, l'airflow. Avant, l'airflow il était en bas, maintenant c'est un top airflow. Donc c'est vrai qu'au niveau des fuites, ça c'est vraiment top. Comme le nom l'indique, hein. Top airflow, quoi, tu vois. Et au niveau des modes, vous avez vu, il y a pulse et tout. Alors, on va lire ensemble. Ouais, il n'y a pas grand chose à plus à dire. Hein. Moi je vais pas vous démonter le truc. C'est comme tous les atomiseurs. Ça se démonte de la même façon, ça se dévisse, t'enlèves le bubble. Pour la résistance, c'est pareil, ça se met par le dessous. C'est vraiment. Voilà quoi, c'est du basique, c'est du vu et du revu. C'est efficace, ça marche bien. Maintenant, on va juste se remettre en plan standard pour parler un petit peu de la box, un petit peu du ressenti et un petit peu des modes que j'ai pas compris vraiment. Il y a des modes que je comprends, il y a des modes que je comprends pas. Là, pour le coup, je l'ai pas compris. Donc, ça va jusqu'à 100 watts. Normalement, elle va jusqu'à 100 watts, celle-là. Si je ne te dis pas de bêtises. Là, il n'y aura pas marqué. Mais normalement, elle. Non, 5,80 watts, autant pour moi. Elle va jusqu'à 80 watts. Donc, les résistances dedans, vont, t'en as une qui va jusqu'à 75. Enfin, celle-là peut monter jusqu'à 80, tu vois, tu peux. C'est la version maximum. Mais l'utilisation, c'est mieux entre 60 et 75. Et l'autre, la 0,4, c'est entre 40 et 50. Donc, tu connais, plus tu montes en résistance, forcément, plus la puissance se réduit. Donc voilà, tu vois, pour sélectionner, c'est quand même très rapide. Le problème, c'est vrai que tu peux pas verrouiller les deux touches et garder le fire. Donc c'est vrai que, voilà, ça peut se dérégler. Bon, en général, dans la poche, ça va, quoi. Tu vois, tu vérifies toujours avant de vaper. Donc voilà, on se retrouve, hop, en plan serré. Non, en plan large. Donc, qu'est-ce que je vous disais? En fait, je vous disais le truc par rapport aux options. Salut, micro-ondes. Alors, les options, écoutez bien le truc, c'est qu'en fait, t'as le mode Fahrenheit. Le mode température, le contrôle de température, ça dépend. Je peux même vous dire les trucs, c'est du NI80 ou du NI90 ou du truc, ça dépend du fil qui est utilisé pour la résistance, pour la température. Donc là, tu peux régler la température en sortie de chauffe, voilà. Ça, pourquoi ? Le mode pulse est conçu, et là, tu as le mode pulse. Pour moi, le mode pulse, c'est un mode que j'ai déjà vu, en tout cas chez Vaporesso. Eux, à l'époque, ils l'appelaient curve. Donc peut-être que ça a changé. En fait, tu pouvais régler, c'est-à-dire que, genre, quand on va dire que ta vape, elle a 80 watts. Mais t'as pas envie d'avoir les 80 watts tout de suite. Et ben genre avec le mode curve, quand t'appuies, t'es à 40, et une seconde après, tu montes à 60, et ton pic, il est à 80, pour redescendre. Ça, c'est dans l'optique où tu tires une puff de à peu près 2 secondes. Et tu pouvais régler vraiment à chaque fois ce côté, tu vois, curve, quoi, tu vois, où tu pouvais régler la courbe de puissance. Dans le mode pulse, non, il y a marqué... Elle est conçue pour améliorer l'expérience de vapotage en délivrant une tension régulière en offrant une production optimale de saveur remplie la gorge. Je l'ai acheté chez Marc Dorcel ou quoi là? Remplie la gorge, t'es sûr de toi? Nicotine, satisfait en nicotine, écrit un nuage. Bon bah là c'est lui, il raconte sa vie. Après t'as le mode écho. Alors le mode écho, je me suis dit, bah, vu que c'est pas de mode pulse, c'est que le mode écho. Qui lui va réguler la sueur que quand tu vas, on va dire que tu veux 60 watts, quand tu vas appuyer, bah ça va te délivrer 50 et puis par la suite ça va monter à 60 pour redescendre gentiment, histoire justement d'économiser un peu de batterie et tout.
Le mode écho et le mode normal de wattage en sortie. Non, mais au bout d'un moment, que vous pouvez régler en fonction de la résistance et du coil, oui, ben, on a bien compris, la durée de vapotage sera plus longue qu'avec le mode pulse. J'ai pas fait Sciences Po, artefacts et autres trucs, hein, là, je suis un peu déboussolé. Et là, t'as le mode VV, hein, là, tu dis c'est le mode wattage, c'est-à-dire c'est le mode wattage, tu mets 60, il t'envoie 60 du début à la fin. Alors, sous le mode de tension variable, le mode de sortie de l'appareil passera de la puissance de sortie ajustable à la tension ajustable. Attention les gars, en parlant de tension, attention. L'unité affichée indique la tension, vous pouvez ajuster en fonction de la résistance et du coil. Donc en gros, les trois c'est les mêmes. Donc moi j'ai pas bien compris ça. Maintenant réellement, ça va très très bien, ça fait largement le boulot. Les résistances sont bonnes, vaporisation, on connaît leur qualité. Ça marche bien les gars, franchement ça marche bien. Le défaut je dirais sur cette box, et ben bizarrement ça va être son poids. Alors je vous explique pourquoi. Ça, je trouve ça top. C'est-à-dire que, alors je vais vous comparer à une grosse box. Je vais te comparer, hop. Oui, c'est une SL. Je te compare à la Amour. Voilà, donc tu vois. Donc il y a vraiment une nuance de taille. Tu vois ce que je veux dire pour se balader. Et après, on va pas se mentir, rares sont les gens à vaper à plus de 100 watts. Tu vois ce que je veux dire. C'est une réalité, hein. Oui, c'est une autre SL. Oui, bah, c'est des poils, les gars. Je suis un homme. Donc. Et rares sont. Donc je trouve que l'utilité de ça, là, c'est vraiment pas mal. C'est petit, c'est compact. Mais en fait, ce qui me va pas, et c'est pour ça que je dis le poids, la tête, on dirait un culbuto. La tête est trop lourde par rapport à la box. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On sent vraiment un déport de poids de la tête, tu vois. Alors ça gêne pas pour toi, t'as pas besoin de travailler, t'as pas besoin d'être un ferriste hein, pour. Tiens d'ailleurs en passant, un petit bras de fer. T'as pas besoin d'être un ferriste pour manipuler cette vapounette, hein, y a pas de problème. Hein. Mais je trouve qu'en fait, elle irait bien qu'un petit dripper. Avec un petit dripper, elle glisse de fou, tu vois. Un petit dripper comme ça, par exemple. Non, excusez-moi, messieurs. Tu vois, un petit dripper comme ça, là. Clac, tu la mets dessus. Regarde, petit, compact, et t'envoies la purée. Parce que dripper à 80 watts, ça marche, les gars, attention. Hein. Et ça, c'est intéressant, parce que t'as quand même une 18650. Sûrement, si tu prends une Samsung 25R, c'est vraiment des très bons accus, donc ça marche. Tu vois, là, je trouve qu'en fait, le problème, c'est que la box est petite, mais le clairon est très gros. Ce qui fait qu'en fait, bah, tu casses le côté petit de la box, tu vois. Mais sinon, bah, c'est du vaporesso, donc c'est fiable, ça marche. Les saveurs, elles sont au rendez-vous. Alors oui, c'est toujours pas des drippers, c'est clair et net. Mais ça marche bien. J'ai pas eu de fuite, j'ai eu une fuite. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, j'ai mis dans le trou. Forcément, la résistance, elle a pas aimé se faire noyer. Donc je lui en ai mis plein la tronche. Donc voilà, mais sinon, c'est une bonne petite box qui marche bien. Ça vaut pas grand chose et vous pouvez franchement faire un petit kiff avec ça. C'est mignon, c'est tranquillou et il y a différentes couleurs et tout, tu vois. Voilà, c'est efficace, ça marche bien, c'est rapide. Je veux dire, là on peut pas faire mieux que ça en termes de. Enfin, pas mieux. C'est une petite box qui est mignonne. Là, ça sera vraiment au goût et aux couleurs. Voilà, mais tu seras pas déçu. C'est un bon clairon, c'est une bonne petite box. L'autonomie est très correct. Après, si tu vas pas avoir à 80 watts, forcément tu vas la chatouiller un peu, c'est normal, hein. C'est la puissance maxi, c'est comme une voiture, on va dire qu'elle est donnée pour 200 km/h. Si tu passes ton temps à lui mettre 200 km/h, tu veux user les pièces mécaniques bien avant, bien plus tôt que prévu. C'est pareil pour là, c'est donné pour 0 à 80, forcément tu utiliseras beaucoup moins la batterie à 60 watts qu'à 80 watts. J'aime bien dire des logiques comme ça, mais ça fait plaisir. L'aimant, il tient très bien, enfin, vous avez vu, l'aimant. Là, je dois utiliser de la force, là. Là, j'ai force. Voilà. Donc, petite box sympa qui mérite une petite olé, comme on dit, tu vois. Mais voilà, pour moi, c'était juste ce petit défaut. Alors, peut-être qu'avec le tank bubble, avec le tank droit, ça fait moins cet effet. Est-ce que le fait que, tu sais, il soit déporté, ça joue un petit peu là-dessus? Est-ce que ça lui, depuis même, ça lui donnerait peut-être une meilleure gueule avec le tube droit, je sais pas. Mais ça, avec un petit dripper, ça peut être un petit banger, par contre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle est vraiment petite. Tu vois, c'est ça, en fait. Elle est vraiment, tu vois. J'ai des gros doigts, mais c'est ça l'avantage. Donc là, avec un petit dripper, par contre, le kiff, il est bon. Le kiff, il est vraiment, il doit être vraiment excellent. Attends, je vous fais juste le petit montage. Hein. C'est pour vous que je le fais, les gars, putain. C'est vraiment pour vous. Hein. C'est vraiment, là, c'est vraiment only the coq. Hein.
Voilà, bon, je pète tout en même temps, pas parce que j'aime bien, moi, tout péter, c'est vrai que c'est un truc... Allez, on continue. Regarde, en plus, là, c'est la même... Bon, il va être flush ou pas? Bon, il est à peu près flush. Je suis en 0,11. Tu vois, hein? Ah oui! Ça glisse! Ça, c'est un quoi, ça? Je sais plus c'est quoi. Ça va être un truc de spectacle, de terroriste. Là, voilà. Là, c'est mignon. Regarde, dans ta main, bam, 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 tu vois. En même temps, j'ai quoi comme résistance là-dedans? Ah oui, d'accord. Oui, ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé, celle-là. Tu vois le truc? Mais là, voilà. Là, c'est mignon. Là, ça glisse bien. Tu vois, là, c'est vraiment pas mal, avec un petit drip. Donc, bah, la box, de toute façon, elle est disponible. Alors, je sais pas si elle est... Je sais plus si elle est disponible qu'avec le... Toute seule. Elle doit être disponible toute seule. Je sais pas si... Je sais plus. Là, j'ai un doute et je vais pas te dire n'importe quoi. Mais voilà. Donc, franchement... Ah bah, celle-là, de toute façon, je m'en étais servi, parce que je l'avais servi... Je m'en étais servi en skunk. Je m'en rappelle, il y a le... Elle est mise en skunk, là. Donc, voilà. Pour cette petite revue... de cette petite gêne SE de chez Vaporesso, hein, que vous pouvez toujours trouver chez le Vapoteur Discount. C'est là-bas que je me fournis, là j'attends ma commande. D'ailleurs, j'ai recommandé des petits trucs pour vous, pour faire des petits comparatifs, pour faire des petits comment ça s'appelle, des petits comparos, ouais, pas des petits comparos, tu vois, des petites revues. Là j'ai commandé un petit truc très sympa, donc voilà, on fera une petite revue comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, que ce soit la vape ou autre chose, avec des propos toujours aussi nonchalants et chatoyants, bien entendu. Et puis voilà, ok, donc je vous kiffe, vous êtes tous dans mon cœur, hein, à défaut d'être dans mon slip, mais ça fait déjà du bien. Merci à tous, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao. C'est bon ?